sport et ce combattant avec son frère qui le suit derrière, bah, ça a été une, le choix de la boxe a été une nécessité, Kamel. On peut pas vraiment parler d'un choix. Ils se sont retrouvés orphelins très jeunes. L'aîné qui est Yacine, Youssef pardon, qui va boxer ce soir, a dû prendre son frère sous son aile. Et le seul moyen de subsistance qu'ils aient trouvé, ça a été de livrer des combats pour être payé à la fin de ceci et pouvoir remplir le frigo quasiment du jour au lendemain. Quoi. Oui, je le disais, par exemple, Yacine Bouganem a réalisé 150 combats en 4 ans en Thaïlande. Je vous laisse répartir ces 150 combats sur 4 années. D'ailleurs, ça fait quand même beaucoup de combats, même par mois. Et peut-être que si nos amis de la boxe anglaise avaient connu et regardé Yacine Bouganem sur l'antenne d'RMC Sport lorsque nous l'avons commenté à de nombreuses reprises, peut-être ne se serait-il pas laissé prendre au piège samedi dernier par le physique d'Andy Ruiz. Parce que s'il y en a un qui peut vous démontrer que le physique n'est rien dans les sports de combat, que la technique l'emporte surtout et le cœur avec, et ben c'est bien Yacine Bouganem. This is Arena Fight! Introducing first, fighting out of the black corner, he is the reigning WBC World Muay Thai Champion and was recently named the WBC Fighter of the Year. His professional record, un palmarès exceptionnel, 212 victoires, 30 défaites, 123 remportées par KO, 6 matchs nuls seulement. At 5 feet 10 inches tall, palmarès de taille. 81 meters. He weighed into fight time at an even 156 pounds, 70.8 kilograms. Fighting out of Morocco, by way of Thailand, here is the Terminator, Yusuf Bouganem. Ah, j'avais annoncé Belgique-France pour le multiple combat, mais avec les doubles nationalités, on va se retrouver avec un Maroc-Cap-Vert. Who began his fighting career at the age of 19, his young professional record. Et pour Wilson Barrella, c'est vraiment un honneur que d'être sur le même rime que Youssef Bouganem. Il sait que ça ne va pas être facile, ça va être même un combat très très dur. Mais voilà, on fait de la boxe pour ces moments-là, pour être face au meilleur. Out of Marseille, France, ladies and gentlemen, here is Wilson Barrella. Extrêmement sympathique, hein, Wilson, quand on s'est entretenu avec lui au Partouchi Boxing Tour. Combattant posé, Xavier Lafaille. Xavier Lafaille pour arbitrer ce dernier combat de la soirée. Cet étirement de Youssef. Capté par notre réalisateur du soir, Serge Bergli, qu'on remercie, et ses équipes. Ouais, une superbe équipe ce soir pour couvrir cet événement. Plus grand, Wilson Barrella. Une petite mention particulière pour Emma Roselman qui nous a mis dans les meilleures conditions ce soir, que ce soit pour la voiture de location, pour le train, pour la chambre d'hôtel. On peut vraiment compter sur elle. Allez, c'est parti pour 5 reprises, les 5 dernières reprises de cette soirée exceptionnelle. Il faut y aller sans complexe. Oui, parce qu'il y a un moment où il va placer son accélération et à partir de là, il sera théoriquement inarrêtable. Quel risque, hein, souvent quand des jeunes combattants comme Wilson Barrella affrontent des grands champions comme Youssef Bouganem, c'est de trop les respecter, de les regarder, de ne pas tenter leur chance. Il faut. Ouh, attention, ouh là là, il est bien arrivé dans la coquille celui-là aussi. Ouais. Et comme on le disait au micro tout à l'heure et comme l'a confirmé Johan, jamais évident de revenir d'un combat comme ça. Ouais, ça perturbe et puis ça peut durer quelques minutes, donc combat continue à se dérouler. Ou chez Youssef, ça peut énerver, ça peut le faire sortir de ses gonds plutôt qu'il ne l'avait prévu, planifié. Et il va pas au hasard, hein, Youssef Bouganem. J'ai discuté un petit peu avec lui, il m'a dit qu'il avait vu les combats de Wilson Barrella. Il sait que c'est un combattant qu'il faut prendre au sérieux.
Quand on arrive au niveau de Bouganem, de Youssef, en général, on sous-estime personne. Mais ouais, on a intérêt, hein, si on veut rester à ce niveau. Quand on a plus de 200 victoires, on en a vu de toutes les couleurs. J'aime bien l'attitude de Wilson Barrea dans ses premiers échanges. Il n'a pas peur en tout cas. Il n'est pas intimidé. Il est plus lui dans sa discipline que ne l'est Youssef, même si c'est pas un novice en K1 Rules. Oui, allez, fini. Oui. Ouais, c'est bien encore chef de deux jambes placé par Wilson Barrella, la bonne distance de la longe bien pour Youssef. Et Youssef qui recule. À la dernière fois qu'on a vu Youssef un peu en difficulté, ça date, hein, c'était face à Gaëtan Dambo. On en parlait en tout début de soirée et on le rappelle donc en toute fin. Gaëtan Dambo que Youssef avait battu au Thai Fight Paris, mais qui avait eu quand même des difficultés. Très bien ce front kick dans le timing pour Wilson Barrella. Mieux que tenir dans cette reprise Wilson Barrella, il a fait jeu égal et même quelquefois il a dépassé Youssef Bouganem. Ça passe plus sous les pattes. Un peu sous vite, marchez genou, tiens, marchez genou, tiens, tiens. En haut, en haut, en bas, plus de chez lui. Mais chez lui, il faut plus que tu marques de points. Tu marques là, c'est vrai. Il y a du round. T'as perdu une étape. 4 rounds. Quand tu passes plus sur les genoux. Mais plus de pression, mais plus de pression. 2, crochet, crochet. Et tu sais pas quand tu vas chercher en bas. Tu sais pas d'avoir une fin et là tu vas chercher. Ok. Chaque enchaînement, respire. Bien le poids parce qu'il lève les jambes, Youssef. Il rompt bien la garde. Allez, ceux qui n'ont pas suivi le début de saison avec les qualifications du Partouche Kickboxing Tour, bah, sachez que voilà, au mois d'octobre prochain, vous aurez rendez-vous avec ce garçon, Wilson Barrella, vous aurez rendez-vous avec Gianni Fiorenti, vous avez vu tout à l'heure s'imposer sur Raoul Belkaïdar. Vous aurez rendez-vous, bref, en octobre, avec une soirée encore magnifique et extrêmement relevé, offerte et proposée par Kader Marouf. Allez, deuxième reprise, c'est sûr que le Belge va, le Marocain ce soir va tenter de durcir. Et pour le moment, c'est les points de Wilson Barrella qui sont plus percutants. Attention, il s'est trop attardé sur le corps. Il n'y a plus de garde en haut. Et non, il a le flanc droit. Le flanc, l'avant-bras également. Bien martyrisé par la jambe gauche de Wilson. Attention, réflexe Mekai. C'est mieux amené, là, cette action avec le look kick à l'intérieur pour Wilson Barrella. Travaille en ligne basse. Ça y est, le visage de Youssef Bouganem s'est bien amorcé, Kamel. Ouais, il va commencer à durcir. Très bien ce que fait Wilson Barrella avec. Ah, il panique pas, il reste lucide. Il touche ce qu'il faut.
Il a des bons déplacements pour l'instant, hein, une rotation interdite. Ça c'est pareil, on le sent quand même, hein, c'est la difficulté aussi qui peut... Il suffit de regarder le visage de Youssef Bouganem, déjà bien rougi. Il est énervé Youssef. Ce qui peut arriver de pire à un combattant, c'est justement de s'énerver. Et de rentrer dans une épreuve de force où finalement ça va être un peu au petit bonheur de la chance. Oh, et ça aurait pu être sur cette droite. Et que Bouganem coupe le tapis. Impressionnant Wilson Varela pour l'instant. En tout cas, elle l'a laissé en suspens. Il avance pas. Et lui, Berger qui rentre. Plus il va être agacé, plus il va se découvrir et il va s'exposer au contre Youssef Bouganem. La colère est mauvaise conseillère. Mais attention, il perd de la réaction aussi. Ah oui, le décalage. Il a bien désaxé pour éviter le jab. Alors on peut dire une reprise remportée par Wilson Varela. Mais les choses ont peut-être changé dès la troisième. Oh, la jambe arrière seule. Arrière tout seul. Oui, c'est très bien. C'est très bien. J'ai l'impression qu'il est débordé, mon pote. Il est débordé à distance. Youssef Bouganem, c'est un petit peu comme les Pokémon. À chaque route, c'est une mutation. Wilson, il est pour nous. On écrit l'histoire, Wilson. Il essaie de mettre dedans pour être dans la guerre. Intelligent, bien les Franky. Et travaille en ligne. 1, 3, 3, 4, jambe arrière. Jambe arrière tout seul. Tout petit posé, tu lui fais mal. Méchant. Oui. Allez, Lyon. Mon pote, on est là. Tu as mouillé derrière. J'ai mouillé. Mon pote, on est pris. Ça y est, là. T'as deux rounds à toi. Hein ouais. Allez, mon pote, il faut pas dormir. Dors pas. Dors pas. Ici, il est en retard. Allez, lecture extrêmement lucide dans le coin de Wilson Varela. On l'a prévenu qu'il avait gagné les deux premiers rounds. Et on l'a aussi mis en garde sur la réaction à venir. Ouais, parce que c'est sûr qu'il va y avoir. Sur Youssef Bouganem. Il va y avoir réaction du côté de Youssef Bouganem. Mais on voit bien que Wilson Varela a bien préparé cette rencontre. Pour l'instant, il a les clés quand même pour faire déjouer la boxe de Youssef. Il faut que ça tienne, il faut que ça dure. Encore trois rounds à disputer. Oh, il est touché. Et il est en suspens. Bouganem est touché. La même droite qu'il avait pris dans la reprise précédente, et là il a titubé. Et il ne devrait pas se précipiter comme voilà, ça. Voilà, il va prendre son temps. Il a souvent joué à sa passe ou sa casse, et jusqu'à maintenant c'est passé. Mais un jour, peut-être ce soir, ça pourrait bien casser. Et ça va mettre du baume au cœur. Ça va remplir Wilson de confiance. Et vous disiez que Youssef Bouganem est connu en Thaïlande. Il est connu dans le monde entier, Youssef. Et selon ce que va faire Wilson Varela ce soir, eh bien, il va profiter de cette position. Un bond énorme, Wilson Varela. On n'y est pas encore, on est seulement dans la troisième reprise, il reste du temps. On n'y est pas encore Kamel, mais vous voyez, la performance de Gaëtan contre Youssef, on en parle encore des années après. Alors, imaginez Varela qui pourrait obtenir peut-être un knockdown. Imaginez une victoire alors. Oui, il est saisi parce qu'il n'en peut plus. Il est saisi parce qu'il n'en peut plus. Vas-y, 3-4. Hémorragie buccale là pour Youssef Bouganem, sûrement causé par la droite de Wilson Varela. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne retrouve pas l'activité du Youssef Bouganem, justement, avec ce travail de jambes, cette montée en puissance au fil des reprises. Là, il essaye, mais il est tout de suite stoppé par une belle action de Wilson Varela.
Pour qui ça? On vous demande de suivre les coins, s'il vous plaît. C'est le 9e combat de la soirée. Hein. 7e pour nous, mais 9e pour cette bâche. Et on a vu la bâche. On a épongé, qui a épongé plus d'une flaque de sueur. Et middle puissant, passé par Youssef. En passant de Sami Sana à Youssef Bouganem, il est passé du peste à de la peste au choléra à Wilson Valrella. Et si lui, c'était la lèpre. C'est la fin de cette reprise. Une reprise où on a vu un Youssef Bouganem en difficulté, pas loin de se retrouver au tapis. Youssef, il a une droite, c'est tout. Il va piquer avec sa droite comme d'hab. Allez, on va attaquer la quatrième reprise. Et Wilson Varela effectue le premier 5x3 de sa carrière. C'est là qu'on va voir. Il doit y avoir une réaction de la part de Youssef Bouganem. Il est là, il est prêt à rendre coup pour coup Wilson Varela. Attention, Youssef va envoyer encore un peu plus de coups. Il laisse enfoncer, qu'il attaque. Il sait qu'il doit faire quelque chose dans cette reprise, Youssef. Ah, on lui a dit en son coin, on l'a piqué. Alors l'orgueil, on lui a dit t'as pas le droit de perdre, il a qu'une droite en face. Oh, s'il avait qu'une droite, non, c'est la pas question vrai, se poserait pas. Pas vrai. On a vu un Wilson Varela complet, efficace avec ses jambes, avec ses poings également. Quel fight card, Kamel. Ouais, exceptionnel, c'est incroyable. On s'en rappellera longtemps, je pense. Incroyable ce qu'ont réalisé les organisateurs de cette Arena Fight. Pouvoir faire venir ces combattants, pouvoir les réunir, les annoncer et faire en sorte qu'ils soient là le soir du combat. Allez, il faut continuer à travailler Wilson Varela parce que là, il reste du temps dans ce combat. Ah, le menu que lui sert ce soir Wilson Varela a du mal à passer. Allez, encore une minute à tenir dans cette quatrième reprise. 1:10. Allez, et Youssef qui a bien sûr tout tenté jusqu'au bout. Youssef qui n'est pas battu encore, hein, Kamel. Non, il est loin d'être battu. Hein. On est évidemment très agréablement surpris par la prestation de Wilson Varela. Allez, c'est bien, travail au corps avec la remontée crochet gauche de Youssef Bouganem. Allez, il met plus de coups maintenant. Et aussi moins de remise de la part de Wilson Varela dans cette fin de reprise. Et on va trembler évidemment pour lui à la cinquième.
des cinquièmes reprises en fanfare. Il a l'habitude d'en livrer Youssef Bouganem quand son adversaire lui. Mais là les coups envoyés par Youssef Bouganem sont faits pour arracher les têtes. Il n'y a aucune préparation. Et c'est la fin d'une très très belle quatrième reprise avec un Youssef beaucoup plus agressif, mais un Varela qui tient toujours. Même en plus. C'est 3 minutes. Sacré team que ces petits croyants. Vous comptez Gianni Fiorenti, Mathias Giannoyan, Tristan Ménard et Wilson Varela. Et surtout bien d'autres encore. Cinquième et dernier. Inspire, expire. Plus, c'est ok. Ne chope pas, Youssef. Mais non, Et on va retenir notre souffle, Kamel, pendant les trois ultimes minutes de cette soirée à Aix-en-Provence, capitale française. Et regardez du pied-point. Et regardez, Wilson Varela déjà au centre. Les trois dernières minutes de cette magnifique soirée. Il va tout mettre sur les très courts crochets, Youssef Bouganem. Il va aller chercher le KO. Seule solution pour lui de ne pas s'en remettre à l'avis des juges. Et parce qu'il ne faut pas non plus trop reculer du côté de Wilson Varela. Oh, il a repassé cette droite et a fait reculer Youssef. Il y a de la puissance dans les poings de ce garçon, Wilson Varela. Ah, il y a une confiance en lui que je n'aurais pas soupçonné quand même. C'est les combats qui galvanisent et qui donnent envie d'en faire deux fois, trois fois plus à la salle. Et voilà le résultat que ça donne. Et quel message il est en train d'envoyer Wilson Varela aux autres finalistes du Partouche Kickboxing Tour. Et là, c'est pas qu'aux finalistes du Partouche Kickboxing Tour qu'il envoie. C'est à tous les combattants de 72 kilos. Un peu comme le message qu'a envoyé Sami Sana à tout le monde en détruisant Yotren Klai. C'est vrai. Et dire que ces deux-là auraient dû se retrouver ce soir. Bah, ce sera peut-être pour la prochaine édition de l'Arena Fight. Et la rencontre a encore plus d'intérêt maintenant. C'est vrai. Allez, plus qu'une minute 20. Il a repris un petit peu les commandes de cette reprise, Wilson Varela. Ouais, ce qui est plutôt encourageant pour lui. Pouvoir gérer un peu cette cinquième reprise. Extraordinaire.
c'est. Maintenant, il faut aller écouter le tapis. Elle est à la hauteur de l'histoire parce qu'il sait qu'il a réalisé un énorme combat ce soir, Wilson Varela. Cette rencontre. Et voilà le respect. Et les surprises continuent après après les défaites des garçons comme City Shai, Yotsen Klai. On n'est pas loin d'assister à la défaite de Youssef Bouganem face à ce jeune Wilson Varela. Ladies and gentlemen, your main event goes the distance, so we go to the judges' scorecard. They give us back a split decision. Allez, la décision. For your winner, and now Arena Fight 71. Ah, l'émotion elle est complètement compréhensible. Victoire partagée.